il était mal. Delphine Jubilar reste introuvable depuis le 16 décembre 2020. La jeune femme a disparu à Cagnac-les-Mines dans le Tarn, sans laisser de traces. Malgré une enquête qui se poursuit, aucun élément n'a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver ni même si elle est toujours en vie. De nouvelles révélations ne cessent de voir le jour et la dernière concerne son époux, Cédric Jubilar. Selon les informations publiées par Paris Match ce jeudi 9 décembre, le père de famille aurait eu une conversation surprenante. En effet, le média a dévoilé un message qui ne passe pas inaperçu. J'essaie de ne plus pleurer, de relativiser. J'étais triste jusqu'à ce que je me rende compte que ça ne sert plus à rien, aurait-il déclaré le 20 décembre, soit 4 jours après la disparition de son épouse. Cédric Jubilar serait-il au courant de quelque chose qui pourrait aider l'enquête ? Pour rappel, il est le principal suspect de cette affaire et a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint le 18 juin dernier. Il ne cesse de clamer son innocence depuis et de faire des demandes de remise en liberté, toutes rejetées jusqu'à présent. Une tenue qui pose problème. Lorsqu'il a découvert que Delphine Jubilar a disparu, le père de famille a rapidement prévenu les enquêteurs. Comme l'a révélé Paris Match, Cédric Jubilar portait une tenue très particulière lorsqu'il les a accueillis. En effet, il avait une sorte de combinaison pyjama panda afin de lui tenir chaud en cherchant sa femme, peut-on lire. De plus, le média dresse un portrait qui n'est pas du tout flatteur puisqu'il met en avant sa consommation addictive de joint, une petite dizaine par jour, qui influence sans doute son comportement, est-il expliqué. Une attitude qui avait alerté Delphine Jubilar puisque l'infirmière de 33 ans avait pris la décision de cacher les clés de la voiture. Son but ? Protéger ses enfants. En effet, il semblerait que Cédric Jubilar avait pour habitude de conduire sans permis avec un pétard aux lèvres lorsque les enfants étaient à bord. Une initiative qui n'est pas passée inaperçue et qui n'a pas plu au père de famille. Je prendrai la voiture de maman, aurait-il affirmé. Si le comportement de Cédric Jubilar peut poser problème, il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Delphine Jubilar, était-elle prête à refaire sa vie ? Depuis le début de cette enquête, Cédric Jubilar est dépeint comme étant un homme violent et dont les paroles sont parfois très choquantes. Rien n'allait plus entre le couple et la jeune femme était bien décidée à refaire sa vie. En effet, elle avait rencontré un homme surnommé l'amant de Montauban et qui avait été entendu par les enquêteurs à plusieurs reprises. Tous deux avaient de nombreux projets en commun. Il rêve d'une ferme avec les enfants, d'un poulailler, a indiqué Paris Match. Une nouvelle vie qui faisait rêver l'infirmière de 33 ans. Mais qu'où est-il donc arrivé à Delphine Jubilar ?